première journée dans cette compétition qui rassemble les meilleures sélections européennes. Rendez-vous incontournable. Qui va l'emporter dans ce choc? On va le découvrir dans quelques secondes. Salut tout le monde, quel plaisir de se réunir ici pour ce match. Nous avons l'honneur de nous retrouver donc au BVB Stadium. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la poule guitare, Omar Da Fonseca, et nous allons vous commenter cette rencontre. Au programme, première journée dans cette Euro 2024, la France contre la Pologne. Pour espérer aller loin dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, c'est Mike Maignan. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Zwiderski. Alors la compo polonaise. Chesney dans le but. Jan Bednarek avec Davidovic en défense centrale. Et donc pour finir, cette formation avec deux éléments offensifs. Marcus Thuram avec le ballon. Rabiot. Et le ballon qui est bien écarté. Ballon dans la surface. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Le bon centre en retrait. Antoine Griezmann à la réception. Et la France obtient le corner. Le corner. Konaté. Adrien Rabiot. Et ça joue pour Tchouaméni. Ah, il est passé sur ce bon geste. Oh là là, et ce ballon passe largement à côté du but. Quand on parle de frappe de balle, il faut avoir l'intention de marquer, pas seulement de frapper au but pour faire plaisir au coach. Avec Rabiot maintenant. Avec Antoine Griezmann. Antoine Griezmann. Oh, le but de quelques minutes seulement. Et déjà un but dans ce match. Bon passo. C'est un but d'asphyxie, de répétition, d'insistance, d'exigence. C'est un but qui étouffe la défense. C'est un but moderne qui nous gardera dans la nostalgie. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. Et voilà l'arbitre là qui sort le carton jaune. Et l'arbitrage a toujours raison. Ah, c'est intercepté. Le ballon perdu par l'équipe de France. Zielinski. Allez, il faut lever la tête maintenant. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Ah, il y a de l'espace pour la tenter. Oh, le ballon là qui est repoussé. Oh oui, le but. En deux temps, la défense s'est laissée surprendre.
On le revoit, ce but, c'est vraiment dommage parce que ça arrive juste après une très bonne parade. Mais finalement, le ballon est repris et ça n'aurait servi à rien du tout. Et avec ce but, ça fait donc 2 à 0 maintenant. Nicolas Zalewski. Zwiderski. Attention à cette passe. Goal! Et oui, bien joué pour revenir dans ce match. Oui, on revoit l'image. Ce qui est générateur du danger, c'est cette transmission dans la profondeur. La leçon de ce but, c'est que le mieux est l'ami du bien. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Marcus Thuram. Maintenant, il y a une erreur de transmission sur ce ballon. Kiwior. Ça passe par Davidovic. Ballon pour la Pologne qui peut se projeter. Lewandowski. C'était le but de l'égalisation. Et c'est raté. C'est assez incompréhensible. Pour Marcus Thuram, avec Kylian Mbappé. Ah, il la perd de balle, ça peut s'avérer très dangereux. Ah, il s'est bien défendu et ça écarte le danger. Oui, un peu d'espace, l'occasion d'avancer dans le couloir. Ah, c'était bien joué, intelligent ce centre, malheureusement personne à l'arrivée. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui joue la profondeur. Allez, c'était intéressant, mais ce ballon est perdu. Frankowski. Il y a du soutien en attaque. Tchouaméni. Pologne reprend la possession du ballon. Kiwior. Ça passe par Davidovic. Zalewski. En direction de Griezmann. Et ça joue sur Marcus Thuram. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Ballon pour Antoine Griezmann. Attention, Marcus Thuram. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. Attention à cette passe. Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il va tenter? Excellente intervention dans la surface. Konaté. Il y aura au minimum 2 minutes de temps additionnel. Kylian Mbappé. Ah, il peut frapper Kylian Mbappé. Et l'arbitre indique le corner, il y a clairement la place pour marquer un autre but.
La balle pour Upamecano. Ah, elle est contrée cette frappe. Ouais, sous la pression, bonne couverture de balle. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Alors, sans vouloir lui porter la poisse, évidemment, pour l'instant, il faut le souligner, sa prestation, elle est enthousiaste. On voit une prestation individuelle intéressante, convaincante, mais tout ça au milieu d'un panorama collectif un peu triste. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Et la frappe ! Quelle intervention absolument décisive. Thuram. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, il laisse l'avantage. Griezmann. Oh oui, but ! Et c'est le doublé ! Quelle classe ! Quelle réussite ! Le bon geste, le bon moment, le bon but. C'est simple le football. La simplicité, c'est toujours l'objectif. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Zwiderski. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. Davidovic. Sliz. Ah, c'est un ballon très délicat, parfaitement intercepté. Théo Hernandez. Zwiderski. Lewandowski. Oui, il y a la place pour un bon centre. Et le ballon en retrait. Et le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés. Et il va pouvoir relancer son équipe. Alors l'arbitre revient à la faute parce que l'avantage n'a pas profité. Le ballon pour Théo Hernandez. Et le ballon est récupéré par l'adversaire. Et peut-être un bon contre à négocier là. Ah, c'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. Giroud. Rabiot. Olivier Giroud. C'est magnifiquement défendu ça. Il y a des possibilités là pour Kylian Mbappé. Le ballon sort, corner concédé. Et le changement va donc avoir lieu. Ballon pour Tchouaméni. Impeccable le timing, l'interception est magnifique. Zwiderski. La balle pour Zielinski. Robert Lewandowski.
Et la perte de balle de Robert Lewandowski. Ballon pour la Pologne qui peut se projeter. Le ballon pour Zielinski. Oui, bien fait. Le danger est repoussé. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Très bien frappé ce coup franc fuyant. On en voit de moins en moins des actions comme ça. Alors on va profiter encore un peu de ces images. Ah, le score est maintenant de 3 buts à 2. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Griezmann. Pas de pression pour reprendre la possession. Zalewski. Et on lève la tête là, peut-être un centre. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Oui, c'est bien fait. Et le gardien qui écarte bien le danger. Oh, la faute là sur ce tacle, attention, que va dire l'arbitre là-dessus? Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement appliqué. Lewandowski, l'équipe pousse fort maintenant en attaque pour essayer de revenir au score. Bah, la faute est signalée et l'arbitre justement accorde le coup franc. Et le remplacement peut avoir lieu. Pour marquer de cette distance, il faut s'appeler Omar Dafusa. Oui, moi je la placer dans la lucarne. Et on approche de la fin du match, une petite avance pour les Bleus. Ce but d'avance, il faut le conserver et ne pas encaisser dans les dernières minutes. Et quelle intervention! Ah, le temps passe et ce corner, c'est peut-être une occasion de but. Le corner. Pas facile de reprendre de la tête. La défense est bien en place. Griezmann,
C'est la dernière minute du temps réglementaire. Théo Hernandez. Rabiot. Théo Hernandez. Le ballon transmis à Rabiot. Aurélien Tchouaméni. Ballon pour Tchouaméni. La touche en faveur de la Pologne. Bednarek. Et voilà le coup de sifflet final dans cette rencontre. Et c'est une victoire pour l'équipe de France. Oui, une victoire grâce à ce petit but d'écart. Ça raconte beaucoup de choses sur la difficulté de ce match. Antoine Griezmann à l'image, il avait le pied chaud aujourd'hui, une performance XXL de la part de la France. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.